Et bonjour à toutes et à tous, c'est Chou, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne, la 17ème sur American Truck Simulator. Et pour voir que j'ai changé de camion, du moins j'ai pas mon W900, j'ai pris un Peter Bilt, j'ai pris une mission rapide aujourd'hui parce que je voulais aller à Ukiah, une nouvelle ville qui vient de faire son apparition apparemment. Je l'avais pas vue celle-là, je ne l'avais pas vue, regardez, hop, Ukiah, elle y était pas. Donc du coup on va y aller, on va partir tranquillement de là à ici, c'est petit trajet aujourd'hui, 264 km, mais j'ai envie de voir Ikea. Et après, dans la prochaine vidéo, on continuera tout ce qui est l'Arizona, tout ce qu'on n'a pas vu. Et voilà, voilà. Bon, ben tranquillement, on y va tranquillement, sans prise de tête, les amis. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo de la semaine sur American Truck Simulator. Et on transporte une rétro-caveuse, il me semble, voilà, 7 tonnes. Tranquille. Tranquille et mille, comme on dit. Voilà. Allez, on se remet en vue interne. J'ai oublié de vous montrer un truc. Il y a eu une mise à jour aujourd'hui du jeu d'environ 300 mégas. Il y a pas mal de choses qui sont apparues. Du moins, je n'en ai vu qu'une pour l'instant. Apparemment, il y a certains angles de caméra qui ont bougé. On peut faire, en réglant les caméras, on peut zoomer sur dans le cockpit tout ça du camion apparemment. Dans le cockpit, dans la cabine, pardon. Et dans le réglage de la cabine, regardez, réglage des sièges. Il avait déjà annoncé, mais on peut régler le volant maintenant. Et ça, c'est super. Bon, on va se remettre comme d'habitude, parce que je l'avais pas fait sur ce camion. Voilà. Là, je suis à fond. Là, c'est bon. Et on peut régler le volant maintenant. De haut, en bas, ou en profondeur. Voilà, c'est vraiment excellent. Rien à dire là-dessus. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. C'est nickel. On peut régler le volant et c'est appréciable. En tout cas, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. On va se mettre le volant comme ceci. Moi, c'est plus comme ça que je me mets d'habitude. C'est pas mon camion, j'ai plus l'habitude. On va se mettre comme ceci pour aujourd'hui. Voilà. Allez, on y va. Une petite livraison tranquillou, sans prise de tête. Alors, pourquoi une toute petite aujourd'hui? Parce que je voulais voir cette ville Ukiah, voir un peu ce que ça donnait. Et il pleut, donc du coup on va mettre les essuie-glaces, pardon. Et là on doit prendre à droite. Ok, il y a du trafic. Alors, on va quand même y aller parce que là, sinon on passera jamais. Un beau petit camion là. Ah, j'ai vu que ma vidéo de la semaine dernière vous a fait réagir parce que je parlais de Galax. D'un commentaire, du moins, pas de Galax, parce que Galax il fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que ces vidéos, dommage, j'accroche moins bien maintenant. Il parle plus trop du jeu en lui-même, il parle surtout des phénomènes de société. Moi j'appelle ça des vidéos pour faire du buzz. Après voilà, hein, lui il essaye de vivre de YouTube, donc du coup il veut gagner un peu d'argent aussi, il faut le reconnaître. Et voilà, mais sinon oui, les commentaires... comme ça j'aime bien rigoler moi, ça m'a fait bien faire rire en tout cas ce mec là. Tu fais comme Galax aussi cela, je me balance, c'est pas le jeu à Galax, voilà quoi. Oh que c'est joli là, oh que c'est joli, on passe un petit pont, tranquille. Voilà, alors aujourd'hui pas de questions, on va juste parler tranquillement du jeu, de cette mise à jour qui apporte pas mal de petites choses sur le petit volant, c'est sympa. En profondeur, de haut en bas, c'est excellent, on peut régler comme on veut le volant. Et c'est très appréciable, voilà, parce que c'était quand même demandé par beaucoup de joueurs. Bon, moi je ne demandais pas spécifiquement, mais c'est quand même un petit plus, voilà. Oh, des petits sandwichs, petit hot dog là. On va tourner à droite. Normalement c'est bon, je peux tourner à droite de toute façon. C'est parfait. Ma petite rétro-caveuse, ne te fais pas la malle derrière. On y va, on y va. J'ai dû toucher quelque chose à l'arrière, c'est un peu tremblé. 245 km. On va rester dans la limitation de vitesse, mais aussi, ce serait bien. Ne perdons pas d'argent parce qu'on a que 64 000 $, d'accord. Mais ce serait bête de prendre 1 000 $ pour une prune à chaque fois. C'est dommage, voilà. Parce que moi, je compte acheter un nouveau garage. J'ai qu'un garage pour l'instant, c'est San Francisco. Donc, du coup, ce serait bien d'avoir un nouveau garage. Pourquoi pas dans l'Arizona. Un peu plus tard. J'ai pas envie de faire de prêt. D'emprunt à la banque, pardon. Mais on verra ça par la suite, en tout cas. Sympa là-bas. Supermarket, Ray's, hamburger. Il y en a de partout. Je crois que c'est le McDonald's ou le Burger King de ATS. Le Ray's hamburger. On les voit de partout. Allez, on continue.
C'est un veau ce Peter Bill, c'est un veau. Il avance pas, il avance pas. Bon, vous allez me dire, pas besoin d'avancer, t'es limité. Et oui, effectivement. Et bon, quand on appuie, ça répond pas. C'est pas comme Monken Wars. Ah, Monken Wars, j'adore. J'étais trop loin là pour faire cette livraison vers Ukiah, j'avais pas de livraison proposée non plus. Imaginez de l'Arizona à Ukiah tout en haut de la Californie, mais laissez tomber quoi. 3000 km le machin quoi. Non, je pense j'aurais fait 1000 km, mais aujourd'hui j'ai pas trop le temps de vous faire une grosse livraison. On en fera de temps en temps, mais c'est vrai que là je me concentre vraiment sur mes vidéos de F1 2016. Parce que F1 2016 je l'ai eu sur PC, donc du coup je vous en fais des vidéos sur le mode carrière et. Et c'est génial, je prends mon pied en tout cas. Voilà. Bon là il pleut. Et c'est pas pour ça que je vais arrêter les vidéos sur American Truck Simulator ou Euro Truck Simulator 2. Hein. Voilà, je vous ai dit je continuerai une vidéo par semaine. Et on le fait. Voilà. Et qu'on me dise pas encore ouais t'as arrêté un ATS, tout ça. Non, j'ai pas arrêté ATS. J'avais changé de volant la dernière fois. Donc du coup, ouais, j'ai mis un mois pour avoir un nouveau volant. Et là c'est le déluge. C'est le déluge. On arrive en forêt là. C'est joli. Matinitateur, voilà. On va peut-être faire une photo. On est en train de faire une vidéo, mais il faut faire une photo dedans le jeu, quoi. Allez, je veux ma miniature. Prendre une photo. On y va. Sous la pluie, ça peut être cool. Ça peut être sympa. Voilà, ça peut être pas mal, ça. Voilà, c'est très bien, ça. Distance focale, ok. Tac, tac, tac. Bon, on est bien. Voilà, une petite photo, on verra si on trouve mieux par la suite, mais pour l'instant, ça suffit. Voilà, au moins, on pense plus à la miniature pour l'instant. Allez, on roule 196 km. Je vais dire, pourquoi il ralentit mon camion? J'ai mis le régulateur pourtant. Allez, avance! Avance! Je suis à fond sur la pédale! Ouais, allez! En tout cas, vous êtes toujours aussi nombreux à suivre mes vidéos sur American Truck, ça me fait plaisir. On fait toujours entre 100 et 400 vues sur la vidéo et ça fait plaisir en tout cas, ça fait plaisir. Et même des fois un peu plus, ça dépend des sujets qu'on aborde aussi. C'est un jeu toujours d'actualité, hein. C'est un jeu qui est très apprécié sur YouTube. On voit pas mal de joueurs faire des vidéos sur American Truck et c'est génial quoi. Il faut présenter ce jeu, il faut jouer à ce jeu est vraiment très 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 bon quoi. Et il faut insister, il faut commencer à jouer et continuer de temps en temps. Et il faut pas laisser tomber, quand on joue à un jeu comme ça, il faut persévérer et avaler les kilomètres, avaler les bornes. Et c'est là vraiment où on prend vraiment le plaisir de jeu et c'est génial quoi. Et en plus, encore plus si vous avez un volant bien sûr par la suite, c'est vrai que ça change complètement tout, le volant c'est vraiment génial. Et ça change carrément le plaisir de jeu, le gameplay et l'immersion parce que là, vraiment, on s'y croirait. Là, alors je vous parle, ça fait un peu bizarre parce que je viens de tourner juste avant une vidéo sur F1 2016. Donc du coup, 320 km/h à fond avec le volant. Et là, on revient à du camion, quoi. Ça fait un peu bizarre. Mais je prends toujours autant mon pied sur ce jeu. C'est bien ça le principal. Et je vois que ça vous plaît toujours autant de voir des vidéos sur ce jeu et de voir mon périple dans les États-Unis. C'est génial. Franchement, American Truck Simulator est vraiment génial. Je préfère ATS que ETS2 maintenant, après mieux réflexion. J'aime beaucoup ETS2, mais c'est vrai que ATS, c'est quand même plus large, c'est plus vaste. Même s'il n'y a pas tous les états encore, il n'y en a que 3. Ça va s'étoffer au fur et à mesure dans les mois qui viennent. Il faut laisser le temps aux développeurs de SAS Software de faire le boulot, de bien faire le boulot, parce qu'ils le font très très bien. Il ne faut pas être pressé. On avance. Faut pas jouer tout le temps, on joue par bribes et voilà, et on finit pas le jeu. Voilà. Il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des livraisons, il y a toujours de l'argent à se faire dans le jeu, etc. etc. C'est du pur bonheur. Alors, 82 km. On va se mettre à 94. Hop, oh pardon, excuse-moi, j'ai voulu venir à gauche, mais j'ai cru que ça se rétrécissait un petit peu, mais c'est pas le cas. Donc du coup on continue. Il n'y a pas de régulateur sur ce camion? C'est quoi ce délire? Là oui, ça y est. Là il est activé. Voilà. 84, je pense que c'est son maximum. Je pense qu'il est à fond là. Allez, on continue. Il nous reste 57 km. C'est parfait. Ouh.
18h. Beau coucher de soleil, attendez. Attendez notre photo. Certes, c'est une petite livraison, mais on n'est pas pressé. Ah ouais, regardez. Waouh, c'est magnifique. Le jeu est magnifique. Alors pour rappel, le jeu tourne à fond. On est à un échelle 400%. Et ça envoie du lourd, hein. C'est clair que ça envoie du lourd. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est parfait. Le jeu est trop trop beau. On continue. 50 km. Une petite forêt sympathique. Je veux dire, mon camion s'arrête. Non, j'ai eu peur. J'entends plus. C'est bizarre. On l'entend trop peu. Il fait pas de bruit. Mon W900 avec son long museau fait un boucan pas possible, quoi. Allez, 30 km. Ah, c'est peut-être bien, il est quand même plus récent que mon vieux W900. J'espère aussi qu'ils vont mettre beaucoup, beaucoup de nouveaux camions dans les prochains mois. Ça manque un petit peu. Là, les états, bon, ça va, il y en a 3. Il y a des paysages à voir, il y a des livraisons à faire, il y a des kilomètres à faire. Il y a que 3 camions. Les Américains. L'Amérique a beaucoup de beaux camions d'anthologie. Mettez-les, faites-vous plaisir, CS Software. On veut des camions UKIA, faut suivre la route. Eh ben, on y arrive. On arrive à UKIA, les amis. 4 km. Et ne pas confondre avec IKEA, hein, bien entendu. Elle était simple à faire. Je l'ai faite. On la fera plus. Donc, on va prendre la droite. UKIA découverte. Ok. Et là on prend à droite et on reprend à gauche après. Allez, bouge-moi là cette rétro-caveuse. Allez, on va se mettre au stop. Attention. C'est bon, on y va. Et là-bas il faut passer là où il y avait le camion. On prend de suite à gauche apparemment. On va prendre à gauche, c'est parti. On prend à gauche. On prend assez large, c'est bon. Et au fond, à gauche. Et on arrive à la fin de la livraison. Petite livraison aujourd'hui, mais c'est pas la durée de la livraison qui compte. C'est le plaisir de jouer. Et je prends mon pied. Personne à droite. Personne à gauche, on y va. On revérifie, c'est bon, on y va. Allez, je peux revérifier à gauche, mais c'est bon, c'est pas grave. Si on entend un gros boom, on comprendra. Allez mon Peter Beat, c'est la dernière côte. Allez. Et là on prend à gauche. Attendez. Non, c'est pas là. C'est la prochaine. C'est ici. C'est parfait. On remplit le stationnement. Alors. C'est quoi le stationnement ici? Est-ce qu'on a déjà vu un stationnement pareil? Allez, avance. Ok. Alors, tac, on va se garer là-bas. Si on fait demi-tour, comment on pourrait faire? On va faire demi-tour, on va se mettre là et on va partir de là. Ou on part de là. On va faire demi-tour, ouais. Vous allez voir ce qu'on va faire. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Allez, c'est parti. Ah, c'est là-bas qu'il faut se garer, d'accord. On va faire comme ça. Voilà, là c'est nickel. On va partir de là. On va partir de là en fait. Voilà. On aurait peut-être pu trouver plus simple, mais bon, on va partir de là. Allez, on part de là. Et on doit aller là-bas. Allez, on y va. On aurait pu faire largement plus simple. C'est pas grave. Ouais, il faut aller là-bas. Tranquille les amis, on y va, pas pressé. Voilà. On recule et on admire mon personnage. Qu'est-ce qu'il est fort ce personnage.
Pour l'instant, j'y arriverai pas moi à reculer avec juste les rétroviseurs. Allez. On y va. Oh. Je vais taper. Sérieux? Non. Ça passe, non? Ou alors au millimètre près, ça passe. Ah, ça tape. Trop fort. Sérieux, quoi. Voilà, c'est ce côté. Non, mais sérieux, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait, là? C'est pas grave. Le principal, c'est qu'on arrive à se garer. Non, mais son... Oh là là. Non, mais sérieux, les amis. Aujourd'hui, c'est la cata. Allez, garde-toi. Allez, mon gars. Il est trop simple, celui en plus. Allez. Ah, c'est bon. Ah, ça devrait être bon. Ça me compte, là? Ouais, je pense. Parfait, ça me compte pas. Allez. Ouais, ça me l'a compté. Ouais, il est pas beau, hein. Franchement, il est pas beau, mais c'est pas grave. On finit sur ça, on y est arrivé, c'est bien ça le principal. Les béquilles. 267 km, excellent. 3h45 en transport. 105 litres de carburant consommé, quand même. C'est énorme. Et on se rapproche du niveau 14, bien entendu. Bon ben voilà les amis, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode de American Truck Simulator. Rendez-vous dans quelques jours, du moins dans une semaine, pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, un peu plus long, car on aura déjà découvert cette ville. Et je pense qu'on va revenir vers l'Arizona et pourquoi pas faire une belle livraison. On va voir ça, je vais réfléchir. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.